Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce cinquième épisode de la série TrackDay. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit tracé italien, Magione, au volant d'une Chevrolet de course. Vous l'aurez certainement reconnu à son look. Eh bien, c'est la livrée de Tom Coronel, qui dispute cette année le championnat donc WTCC. Cette voiture-ci est en spécification 2013, donc ce sont des voitures qui sont sous la réglementation des Super 2000. Au niveau de la motorisation, ce sont des tractions, bien entendu. Et c'est un mode qui est sorti pour Assetto Corsa il y a quelques temps, mais qui est passé en version 1.04 récemment, et surtout qui est compatible avec la version 1.1 d'Assetto Corsa, ce qui devient difficile avec certains modes. C'est développé et skiné par une petite communauté coréenne, sud-coréenne je précise, de modeurs. Donc voilà, c'est un import, alors c'est peut-être pas tout à fait... légal. Mais voilà, donc cette voiture est présente dans Assetto Corsa et elle est assez intéressante à piloter de par son comportement qui impose eh bien, de nombreux croisements de mains dans des petits S comme ça. J'aurais dû peut-être vous filmer mes mains, mais vous allez peut-être vous en rendre compte en fait. Le fait que ce soit une traction donne un comportement bien particulier à la voiture. Vous devez braquer très fort dans les virages. Donc là en fait ce sont les premiers tours que j'ai effectués avec la voiture et je ne braque pas assez tout simplement ma voiture, donc je me fais tout simplement rattraper par l'IA. Vous constatez que l'intérieur de la voiture est très bas au niveau de la qualité de réalisation. C'est assez dépouillé, le carbone n'est pas très net, le volant est un peu polygoné sur sa partie basse, vous le voyez là à droite quand je braque, ou ici à gauche. Voilà, les textures sont assez cracra au niveau de l'intérieur. C'est pas tout à fait terminé, on a l'impression. Pourtant la voiture est placée en 1.0, donc c'est vrai qu'au niveau de la physique elle est à jour et c'est assez intéressant, et j'aurais bien aimé voir un vrai championnat de super tourisme me prendre vie dans cet Assetto Corsa. Au niveau du son, je vous invite à aller voir la vidéo du mode à la mode sur le championnat Cette Leon Super Copa. C'est tout simplement le même bruit que ces voitures de TCR, donc du super tourisme avec un 2 litres. C'est tout simplement le même bruit, donc un bruit un peu décevant, pas très travaillé. Au niveau de la physique, c'est très convaincant. Vous voyez que je dois bien braquer hein, dans les virages pour faire tourner la voiture. Donc ça, je l'ai compris un petit peu plus tard en pilotant. Donc voilà, donc vous avez un petit peu un tour d'horizon de ce que propose ce mode. Et moi, je vais tout simplement vous laisser profiter de quelques replays pour que vous appréciez la voiture, le son. Donc vous voyez que, par exemple, les skins là sur le pare-choc, vous le voyez en bas, Assetto Corsa, Coréa, c'est pas terrible. Le fait d'avoir personnalisé les skins plutôt que d'en proposer eh bien, des officiels, sachez qu'au niveau des skins, vous en avez deux officiels. Normalement, vous avez le Bamboo Engineering et le Royal Motorsport avec la voiture de chez Tom Coronel. Vous n'avez pas les voitures de l'époque, vous avez des skins style importés de Race Driver Grid, enfin de Grid Autosport, pardon. Navré pour ce pilotage. Donc voilà, donc il y a pas mal de défauts, mais au niveau du comportement, ça rattrape globalement le mode. Allez, je vous laisse profiter des différentes vues télé et caméras embarquées. N'oubliez pas la règle, vous montez le son et vous profitez un maximum.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne.